Je suis trop impatient de voir ce que ça va donner. Let's go, let's go, let's go. Mise en scène, ouais. Son studio avec producteur. Il n'y a que du bon là. 100 000 euros là, si t'assures pas. Là, tu dois. Je sais pas, c'est compliqué. Là, alors, du coup, là, ils doivent venir en tant qu'artiste confirmé. Là, il n'y a plus de oui, tu viens, tu sais pas, t'as oublié ton texte. Ou oui, je suis pas dans le truc ou tout là. Là, c'est carte blanche, tu dois venir avec ton délire. Donc là, ils vont être jugés vraiment en tant qu'artiste. Et je suis trop content pour ça, je suis trop hype, j'ai envie de voir. C'est Fianso, wesh. Fianso, il va leur apprendre les rouages de la SACEM. Oh non, il va arriver avec la science du rap. Et tout le boss de sa structure, machin, ça déchire. Mais quand tu prends les coups, y'a plus de pare-balles, frère. Le truc, c'est que quand t'es sous contrat avec des maisons de disques, c'est-à-dire que si tu te prends des... T'es protégé, il t'arrive une dinguerie, c'est le label qui prend tout, ou la maison de disques. Là, quand t'es en indépendant, c'est toi qui prends tout, chef. Le motif, c'est comment? Aïe, aïe, aïe. Le motif va faire partie du jury pour Battle de Rap. 5. Il y aura le motif et il y aura Easily. Cette fois-ci, pour le 5, il y aura 4 jurys. Donc, je vous en ai donné 2. Les 2 autres, je vous dis pas pour l'instant. T'as pas un truc qui fait... Jusqu'à maintenant, Fresh, on l'a entendu sur de la trappe. Je crois qu'il va partir sur de la drill, là. J'adore, en fait, partir de boucles de piano. Je vais pas, dans ma tête, imaginer un morceau incroyable comme ça, de rien. Plus, les prods d'Easily, elles sont méchantes, hein. Je pense qu'il va lui faire un truc bien propre pour Elion, un truc bien adapté. Il va nous proposer quelque chose de fort. Netflix, ils se sont vraiment pas fait chier. Le motif, Junior à la prod, Easily, ils sont tous potes. Après, en vrai, c'est bien. C'est bien pour la cohésion de groupe et tout, etc. Bosser dans ces conditions, c'est toujours mieux. Si tu le sais pas, tu vas te dire, ah ok, ils ont contacté individuellement. Non, non, je vous assure, ils sont allés voir une personne, ils ont dit, ouais, tu peux demander un tel s'il est chaud. Et ça s'est fait comme ça. En fait, j'ai eu une page blanche tout simplement parce que je voulais que l'intro soit d'une certaine manière et que la suite du son soit complètement différent. Part sur un beat switch. Après, est-ce que c'est pas vu et revu les beat switch maintenant? Après, ça dépend comment c'est fait, hein. Dès qu'elle stresse, moi, je stresse. Le vrai combat, en fait, c'était de libérer. C'est elle l'artiste. Elle doit... Si t'arrives, t'es pas confiant, forcément, les gens qui vont bosser avec toi, ils le seront pas non plus. Faut vraiment qu'elle apprenne ça. Le motif, il a fait revenir Lace vraiment, mais ouais, conquérante en mode boss, en fait. Elle nous fait ce coup-là tout le temps. J'ai plus d'inspire. Rush d'après. J'ai cru de voir ce qu'elle va nous proposer. Yes. Yeah. Encore Balou. On va se chauffer nous aussi là. On va se chauffer, on a dormi. On va se reprendre là. Allez, ça y est. Let's go les gars, c'est maintenant jamais. Aujourd'hui pour toi c'est l'heure de quitter la scène. Beaucoup trop fragile pour les gens qui t'attendent. Le monde où je me rends est tellement dangereux qu'il peut te pousser à te foutre un gun sur la tempe. Il y a des moments où elle est un peu hors du temps, mais vas-y, allez, genre c'est pas gênant. T'es pour ton col. Let's go! Mauvaise humeur! Le refrain! J'ai l'impression d'entendre le bruit du pas après l'homme. Oh, c'est voilà, trop bien! Tout ça? Niska, non! Niska, on a dit non! Pète un câble. Je crois en fait, elle a trop kiffé. Elle a vu le public, elle a vu le jury, elle a vu tout le monde. Wesh! Lace, elle est venue méchante. Elle est venue très, très, très méchante. Elle est venue très, très, très méchante. Lace, elle a fait le taf, hein. Elle a fait le taf. Oh, purée, mon Dieu. Wesh, la prod, elle était lourde. Elle est venue avec assurance, beaucoup de charisme. Son delivery lourd. Franchement, j'ai rien à dire, hein. Je vais venir te serrer la main, quand même. Je vais venir te serrer la main. Ah ben oui, oh là là, suis-je bête. Mais c'est son poulain. Mais pourquoi aujourd'hui particulièrement tu décides de lui serrer la main? Parce que c'est pas la première fois qu'on voit une si belle performance. De serrer la main et de voir de plus près ce que le MC, la rappeuse, la femme. Il devait lui serrer la main. Mais c'est quoi ce bordel? Niska, tu as faim? Tu devais lui serrer la main? Qu'est-ce que tu fous dans ses bras? Oh mais non, c'est de la provocation. On a dit serrer la main, on n'a pas dit qu'on les serrait. Oh là là, Niska, il a confondu. Je croyais, moi, serrer la main, c'est serrer la main dans la main. Et puis... Moi qui t'ai ramené là, et franchement... C'est toi, et tu tiens à rappeler que c'est toi qui l'a ramené ici. Continue à nous provoquer. On trop le rappeler, toi. C'est à toi. Et toi, maintenant, tu ouvres, t'ouvrirais ta bouche, chien. Maintenant que tu vois que Niska, il est plus sur tes côtes, tu me trop le rappeler. Bien fait. Tu as des couilles, hein, parce que tu passes en première. Tu as mené ton truc, c'est bien. Félicitations. Merci. Merci. Non, elle a fait le taf. Oh, il va faire quoi? Il va crier. Oh, le zinzin. Oh, le zinzin. Oh, putain, c'est trop gênant. Ceci dit, il va lâcher un cri de guerre. Prends pour Ragnar le rock. Dis de la merde en plus. Prends pour Ragnar le broc, le drogué. Il a une envie de caca, sachez-le. Regardez la gueule. Ah, c'est sa performance. Ah, c'est sa performance.
Pourquoi baby je pense à toi maintenant, après 2-3 printemps. Baby maintenant je couche avec Satan, pour oublier ta langue. Le même vide, des mêmes soirs. Maintenant mon cœur c'est la fusion, depuis petit j'ai des visions. Depuis petit je suis le best, yeah. Yes ouais, je parle pas de rouler en Bentley et de crier mes amours. Je sais qu'il y a quelque chose en moi, comme une lumière incolore. Quel artiste. Genre au premier abord comme ça, franchement c'est un artiste de zinzin. J'ai beaucoup de critiques à faire là par, du coup, parce que en fait la première grosse critique positive, c'est la prod est très éclectique. Elle évolue constamment, elle lui va vraiment comme un gant. Deuxièmement, bah ça concerne, voilà, il ramène son chant, il ramène son délire. Ah, voilà, c'est du Elion, hein, qu'est-ce que tu veux faire contre ça. Par contre, on a encore ce même souci au niveau de l'interprétation qui, selon moi, est exagérée. La partie où ça prend la cam et tout, bon voilà, il est dans son interprétation, mais il tire trop sur le délire de rappeur dépressif, tout ça. Tu peux te détacher de ça, mon gars. Genre, franchement, je kiffe de fou cet Elion comme les trois. Hein. Et la partie rap, déjà, non seulement il y en avait pas assez, on est dans Nouvelle École, c'est une émission rap, on n'est pas dans The Voice. Même si tu rapportes ton délire, il faut quand même rapper. Je suis désolé, il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec moi, et je m'en fous. On est dans Nouvelle École, c'est une émission de rap avant tout. Elion aurait dû privilégier le rap au chant. Désolé, c'est de la variété. On a entendu de la variété, ce n'est pas du rap. Il est hors jeu. Pour moi, là, il doit pas gagner. Elion ne doit pas gagner. Voilà, c'est mon avis. Je vous ai donné mes arguments. Merci pour la proposition avec un grand P majuscule. C'est de la proposition. Si je dois donner un point négatif, s'il te plaît, c'est quand même qu'à un moment donné, je trouve que la partie chantée, je trouve qu'elle a pris beaucoup de place. Elle a pris trop de place. Elle a dit les termes. La partie chant a pris trop de place. On est dans Nouvelle École, c'est du rap. Merci. Non mais comment ça? Ouh. Allez, vous faire... Les doigts d'honneur sont mérités. Mérités aussi à toutes les personnes qui... Loni, tu dis de la merde. Prenez les doigts d'honneur. Avec des longs ongles en plus. Mettez ça dans vos fiacs. Big Elion. Félicitations à toi déjà. Merci Niska. Et toi aussi. Niska, c'est bizarre. Pourquoi tu te lèves pas? Il est temps de faire le câlin. Quand est-ce que tu pratiques la pignouf? Il est en peignoir en plus. J'attends. C'est moi qui t'ai ramené là. Ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai. Merci. Ah, il a précisé. Bon, ok. Bon, il l'a pas fait que pour l'Ace. Ah, il m'a mis dans la merde. Ah, j'avoue, il vient de lâcher une prestation de fou. Même si on a nos critiques, il a pas fait tâche, hein. Yeah. Carrément, je connais la chanson par cœur. J'ai trop l'aime. J'essaie d'écrire de grandes choses, mais j'ai plus les mots. J'essaie de faire de grandes choses en attendant la mort. Je traîne avec les méchants de Dallas jusqu'à Pixel. T'as bien encore, mais moi. C'est dans la merde, c'est dans les problèmes que mon équipe, elle est peinard. On chope, le monde est méchant. Oui, mon cher, le monde est méchant. Je vous ai chopé, on vous a commencé, pas pitié du monde. Eh, je suis obligé de mettre pause. Il lui a suffi deux phrases, hein. Depuis le début de l'émission, même les caméramans, ils l'ont vu arriver avec son équipe bien dansante, tout, là, là. Même eux, ils ont mis le max. Caméra bien tremblante et tout, ils savaient. Maintenant, concernant Fresh, ce qui me pose problème, le son est incroyable. Il n'y a rien à dire. En fait, il n'y a aucun défaut. Mais il est incroyablement oubliable. Par rapport à Lace et Elion, il a fait le taf, hein. Il a plié un délire, là. Il l'a sorti en single et tout. Là, on l'entend partout. Le son a ri. Et encore une fois, on n'a rien à dire. Le son était calibré pour qu'il gagne, mais c'est pas un son que je retiendrai. Je vous dis la vérité, ça, là, ça ne concerne que moi. Moi, c'est pas un son que je vais m'écouter souvent. C'est un son, c'est cool pour l'été, ça sort à la meilleure des périodes. Moi, là, j'entends Niska. Niska, il peut très bien faire ça. Eh ouais, le monde est méchant. Tu sais très bien à qui parler. Oui, on m'a posé la question, on m'a demandé si je savais si Fresh avait gagné. Oui, je savais depuis le début que Fresh avait gagné. Par contre, je ne savais pas qui étaient les finalistes. Quand t'entends Chop partout, tu devines bien que ben, c'est bien lui qui a gagné. Donc bon. Oh, tu me disais les césaires, faut que je la chope. Mm-hmm. Elle est bonne sur la mer, j'ai ce, faut que je la chope. Fresh la peau. C'est calibré. Le son est calibré pour que ça soit un tube. Tout était aligné. Un peu trop à mon goût. J'ai l'impression qu'il y a des trucs. Il y a des trucs qu'on sait pas. Hein. Tout est trop beau. Même le délire où il répète le refrain. C'est à croire qu'il savait qu'il allait gagner. Elle est bonne sa mère là. Ou elle est bonne, je sais pas quoi. Tu me regardais trop quand tu disais ça, j'aime pas. Voilà. Elle veut tout s'accaparer, celle-là. Comment ça? Quand est-ce qu'il a regardé? Elle voulait que son bon moi, elle. Regardez comment elle est. C'est un truc de fou. Je te dis la vérité, je m'attendais pas à ce que tu puisses aller jusqu'à là. Il y avait intérêt que tu dises qui t'a surpris. Parce que avec le monde des méchants qu'il a lâché, où il t'a bien regardé, il t'a bien pointé du doigt. Ah mon gars, the dick's fucking crazy. The dick it is fucking crazy, man. Ah ouais, non, là j'ai lâché l'accent, tout. Hein. Oh.
Suck my dick. Le mec, il a pété un câble. Depuis le début, il n'apprécie pas trop les gens qui sont dans son délire, qui lui ressemblent. Aujourd'hui, là, ça y est, tu m'as surpris. Il t'a pas surpris, chef. Tu savais très bien. Ce qu'il a fait, c'est incroyable, mais on savait très bien qu'il allait nous faire lâcher un truc pareil. Elle nous a un peu déçus sur le battle, et puis dans son attitude où elle était jamais trop confiante, où elle était là un peu, tu vois. Ouais, mais c'est normal. Ça a beaucoup trop joué. Elle se rend pas compte. Je suis content qu'on mette le doigt dessus. On lui a laissé trop de chance, et on sait tous pourquoi. Mais là, c'est la finale, et faut dire les termes. Le créneau dans lequel tu évolues, qui est juste incroyable, hein. Moi je suis client de ça, je pense que c'est ce qui te fait défaut aujourd'hui en vue de... SCH, je suis son fils. Je pense que dans une autre vie, je suis SCH. Une que j'ai ramenée, un que t'as ramené. Vous n'êtes pas obligé de souligner ouais, ça à chaque fois. Laisse-nous kiffer. Ah ouais, j'avoue, les Marseillais, ils sont pas restés très longtemps. Oh là là, mince alors. Putain, ils sont restés au stade Vélodrome, fait chier. Le ou la gagnant, aujourd'hui. C'est toi, Fresh. Attendez, je vais me mettre dans son angle. Il est comme ça. Pas nous, Fraîche. Il a chopé son gosier comme ça. Genre, il prend pas conscience de ce qui lui arrive. Ah, c'est dur de jouer le mec surpris. Hein. Grosse force à notre jury. Notre jury qui était incroyable. SCH, Sean et Nisto. C'est historique. Franchement, le jury s'est rattrapé à la fin. Saison 2, j'espère qu'ils vont retenir. Pense à une personne en particulier, bien évidemment. On arrête les conneries, là. C'était une aventure de dingue. Franchement, je vous le dis, j'étais parti sur des a priori. Et au bout du compte, encore une fois, je sais pas, c'est parce qu'on l'a vécu ensemble. Mais l'émission est cool. Dans l'ensemble, elle est bien produite. Mais ils ont fait beaucoup d'erreurs. J'espère que dans la saison 2, ils ne referont pas ces erreurs-là. Après, je sais même pas si pour eux, c'était des erreurs ou pas. J'en sais rien. Il va falloir qu'ils réadaptent les battles. Il va falloir qu'ils réadaptent la partie clip, etc. 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 Tout ça doit être réadapté. Le casting, je l'ai jugé plutôt vite au départ. J'étais un peu dubitatif. Et au fur et à mesure qu'on avançait, on s'attache au personnage, on s'attache à chaque candidat jusqu'à arriver à la fin. Et finalement, bah, tu te rends compte que bah, le gagnant bah, mérite d'être gagnant. Donc voilà, Fresh a gagné. Il a mérité sa victoire. Donc c'est tout à son honneur. On se retrouve. De toute façon, je vous dirai quand est-ce que je vais reprendre les lives. Dites-moi aussi ce qui vous intéresserait en termes de Ria. Je vois vous kiffez ça de fou. Dites-moi ce que vous avez envie que je fasse. Sentez-vous libre. Dites-moi, moi je sélectionnerai et je ferai. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille, de vos proches, tout, tout, tout. Ne m'oubliez pas pour Twitch. Je vais revenir fort avec du bon contenu, avec du react, avec du tout, du tout, du tout. À la rentrée, il y aura battle, il y aura des clash rooms, il y aura des trucs. On va revenir fort sur les gros concepts. Passez une bonne soirée.